Et salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode du Let's Play sur jeu. Beaucoup, potentiellement, dernier épisode, mais je ne pense pas, d'accord. Je pense qu'on a droit encore un épisode derrière. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi, ça va. Dans le dernier épisode, du coup, nous avions découvert que nous étions à l'intérieur d'un cocon. Ce cocon-là, le cocon blanc. Voilà, l'espace où on naviguait depuis 3-4 épisodes, bah, c'était réellement un cocon. On l'avait call, s'y attendait un petit peu. Et du coup, on a aussi débloqué son pouvoir, puisqu'on a aussi affronté le boss de ce cocon, qui nous permet en fait, quand on est là où il faut, de tirer un projectile qu'on peut envoyer dans des portails, qu'on peut aussi envoyer à travers les cocons pour bah, faire tout simplement apparaître dans ce cocon. Donc on est parti. Je vais très certainement avoir besoin du pouvoir de cocon blanc à l'intérieur de cocon rouge, mais je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Eh, si je peux. Ah, donc ce genre de portails qui sont des mécanismes, hein, en réalité. Ah, dans le dernier épisode, j'ai eu un bug de décalage son. Voilà, c'est arrivé. Alors après, c'est arrivé. Il faut savoir que je fais toujours un test son au début de mes épisodes maintenant, parce que j'ai peur de ce fameux décalage son. Ah, il va y avoir un correctable. Et du coup, j'ai enchaîné les deux épisodes, vous savez, l'épisode 3 et l'épisode 4, j'ai enchaîné. Sauf qu'un truc qui s'est passé entre l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est que OBS a crash. Du coup, je l'ai relancé. Et là, j'ai pas fait de test son. Et j'aurais dû, parce que du coup, j'aurais capté qu'il y avait un décalage son. Et j'aurais relancé OBS, et là, ça aurait peut-être fonctionné. Là, normalement, ça fonctionne. C'est impec. Tout devrait bien se passer. Alors, si je veux aller chercher le truc en haut, il me faut le cocon vert. On peut faire ça sans problème. C'est tout. Pas très bien. Et là en bas, il nous faut deux autres cocons. Ah, du coup, on va prendre le blanc, hein, pas le choix. On n'a pas le violet pour l'instant. On n'a plus que ces cocons-là. Alors, je sais pas si je prends la bonne route. Parce que, pour rappel aussi, dans le cocon vert, j'ai besoin de cocon rouge. Donc, du coup, là, j'ai décidé de aller dans le cocon rouge, j'avais besoin du cocon blanc. Donc, je sais pas si c'est le bon chemin que je prends en premier lieu. J'aime bien cette petite musique. Ah, il y a un collectable encore en haut à gauche. Donc va falloir que je trouve quelque chose pour appuyer sur ce interrupteur. C'est quoi ce gros truc du coup là? On va aller prendre tout ça. Quoique, attendez, ça fait quoi de poser un cocon là-dessus? Ça fait absolument rien, ok. Parce que ouais, du coup, il me faudrait un petit robot ou quelque chose pour aller appuyer sur le bouton. Quoique, attendez. Non. Je me demandais si on pouvait appuyer sur le bouton pendant que c'était actif et du coup ça allait créer genre une sorte de délai et que j'allais pouvoir aller dessus à temps, mais. Non. Alors ça se fait quoi? C'est quoi?
Waouh. Et on a... J'ai l'impression qu'on est à l'intérieur du cocon blanc là. Non? Il y a vachement de cocon blanc quand même. Ah purée, c'est ça quoi en plus. Waouh. Waouh. Et du coup... Attendez, attendez, attendez. Ah non mais je peux pas l'emmener. Ah mais du coup... Attendez. J'ai compris. Ah oh, ça prend des proportions là. Ah oh, c'est génial, je kiffe. Le genre de truc qui te retourne le cerveau. Ah, je kiffe tellement. Je veux noter les, vraiment l'effort sur la musique. La musique là, ce serait pas déclenché si j'avais pas porté le cocon et que je l'avais pas amené là. La musique elle se déclenche et elle progresse petit à petit parce que je suis en train de faire le bon truc. Je trouve qu'il y a un effort sur la musique qui est incroyable par rapport à ça. Quand on avance dans une énigme, la musique évolue en fait. Je trouve ça trop bien. Je vais me retrouver là-bas. Oh waouh, mais c'est incroyable. Là, je suis à l'intérieur du cocon rouge, mais je traverse un chemin qui me permet de me retrouver à l'intérieur du cocon blanc sans avoir eu à rentrer dans le cocon blanc. Ouais, hein, c'est particulier. Ok, bon bah, deux collectables très rapides à récupérer. Du coup, le cocon vert, on l'a abandonné pour l'instant. Il me faut deux cocons. Attendez, je peux aller rechercher le vert. Et du coup, en bas à gauche, je pensais que c'était pour un collectable, mais non, c'était la suite. Du coup, ça fait quoi là? Ça va faire... Oh là, mais il va encore se passer un truc de fou, je le sens. Ah non, ça fait rien. Mais c'est bizarre, ça avait l'air d'être connecté les deux. Je crois que ça se connectait au... Ça brillait ça avant? Et attendez, ça à quoi? Ah waouh, attendez. Je pense que je pige des trucs. Je pense que je vais avoir besoin du cocon blanc. Regardez, ça, ça va activer. Ça va être la même idée, en fait. C'est ça. Il va falloir que je pose le cocon blanc là-dessus. Que je retourne dans le cocon rouge pour me permettre de repasser dans la zone cocon blanc pour ressortir par le cocon blanc. Vous avez compris? Moi, je crois que j'ai un peu compris. Mais du coup, j'aimerais bien vérifier le chemin aussi... Je vais être chiant, mais... Le chemin que j'avais de secret... Mais déjà, dans le truc... Attendez, mon cerveau, il pense à ton truc. Dans le truc blanc où j'étais, là... Il y avait besoin du cocon rouge. Mais si je revais dedans, je retourne pas là-bas en fait. Vu que c'est le dernier endroit d'où je suis ressorti. Ah oh, putain de merde que si. Du coup j'ai des chemins qui me sont proposés là. On n'avance pas du tout dans l'énigme ici. Hein. Là je me retrouve dans des trucs qui n'ont rien à voir.
Ah mais ça va juste me permettre d'aller en haut ça en fait, non? Ça me sert à rien ça pour l'instant. Ouais, ça je peux rien en faire. Pour le moment. Mais il y avait une idée de pouvoir venir ici avec ça, mais ouais pour l'instant c'est... Il n'y a rien à y faire, je pense que je vais devoir faire un truc que plus tard forcément. Bon alors faites voir ça aussi. Ah mais je peux pas y aller, merde. Vous voyez en bas là j'en ai besoin. Mais c'est bloqué, je peux pas. Bon bah vraiment j'ai un truc à faire quoi. Ouais. Il se passe des choses, hein. Merde, il me faut le cocon vert pour activer le pont. Vous savez à quoi ça me fait penser aussi ce jeu? Ça me fait penser à Portal Reloaded. Où il y avait cette idée de deux dimensions. Mais après le délire là c'est que c'était le passé et le futur, donc ça avait un impact. Une dimension avait un impact sur l'autre. Et ça me fait penser à ça, le fait de penser en plusieurs dimensions en même temps quoi. Bon après là on est dans quelque chose de bien plus profond que Portal. Ok. Je vais pouvoir ramener les cocons ici. Je me remettais bien dans ma chaise. Je vous raconte ma vie. Il me faut le cocon vert. Mais on retient qu'on peut aussi tirer à travers un des cocons. Il y a le truc pour tirer, pour l'instant je sais pas à quoi ça sert mais... On va sûrement découvrir ça après. Ah merde! Ah, attendez, concrètement là je fais quoi? Il me faut le pont. Attendez. Je sais pas ce que je fais là. Ah, ils m'ont bloqué ça, je peux plus y retourner. Intéressant. On peut pas combiner le pouvoir des cocons. Je suis pas en train d'apprendre un truc maintenant. Genre si je fais ça, mon cocon rouge, y a pas le pouvoir du cocon vert aussi. Si? Non. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais avoir peur qu'il y avait une mécanique que je connaissais pas. Ah, alors attendez, est-ce que ça va être la première fois que je vais un peu être bloqué dans le jeu? Réfléchissons. Faut que je monte. Je peux monter qu'avec le vert. Et pourtant il me faut le cocon rouge une fois en haut.
ça que je fiche pas. Donc c'est que je dois avoir un truc en plus que je peux faire. Attendez, il n'y avait pas un truc. Ah oui! Ça me revient. À l'intérieur du cocon vert, il y a un mécanisme qui permet d'alterner tout seul le truc qui tire là. Enfin, le. Oui. Ouais, non, 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 mais je parle pas bien là. Intérieur du cocon vert. Il y a un portail. Si on tire à travers, ça inverse l'effet du pouvoir du cocon vert. Ça me revient. Ok, bien. Il y avait un autre chemin. Bon, encore une fois, c'est un cul-de-sac. Et je me fais avoir. Faut arrêter avec ça, hein. Moi, ça me trigger. Moi j'espère qu'ils vont refaire la mécanique qu'on a eu là. On était dans un cocon, il y en a eu un portail qui nous a amené à l'intérieur d'un cocon. Je trouvais ça trop stylé, j'espère qu'on va le revoir. Bon par contre, je suis bien rigolo d'être venu ici avec le cocon rouge, mais il faut que j'amène les autres. Je les mets à l'intérieur du cocon rouge. Allez, voilà, on va être tout bon. Allez, on y retourne. Avec tous nos cocons. Bon, alors maintenant, concrètement, on peut faire quoi ici? Déjà, il y a un interrupteur en bas activé, donc je pense que c'est le premier truc qu'on va aller faire. Voilà, déjà pour commencer. Je me dis que je le laisse là, lui, à mon avis. C'est ce qu'il doit faire, hein. C'est son but. Faut que j'inverse l'intérieur du cocon vert. Pour que le projectile serve à quelque chose ici. On s'y perd à force, hein, en explication. C'est compliqué d'expliquer. J'espère que vous arrivez à suivre. Hein. En fait, je me sens obligé d'expliquer ce que je fais parce que sinon, moi, je pense que je comprends pas ce que je fais. Après, j'explique très mal, je pense, mais... Que j'ai un peu de compréhension, quoi, dans ce que je fais parce que sinon, je suis perdu.
Mais ça marche si c'est juste posé comme ça? Je sais plus, je croyais qu'il fallait que ce soit... Mais merde, attendez, comment je l'amène là-bas du coup? Je suis bien rigolo, mais comment j'amène ça là-bas? Ouais, je suis marrant. Je voulais mettre le cocon vert ici, mais je peux pas. Et je peux pas non plus venir ici juste avec le cocon vert. Oh putain, attendez, je crois que je comprends. Ah ouais, non mais là, ça prend une ampleur. Je pense. Je pense qu'il faut faire ça. Parce que ça va traverser dans le cocon rouge pour traverser jusqu'au cocon vert. Et ensuite activer le truc. Vous voyez, la musique se fait, donc c'est que c'est ça. Hop. Là, ça traverse dans le vert. Oh là 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 là. Mais c'est trop intelligent, mais je kiffe. J'adore. J'adore. C'est trop intelligent. C'est trop intelligent, putain, mais j'adore, mais... Ah! Ah, mais le cerveau qu'il faut pour faire des jeux comme ça, mais c'est tellement bien! Franchement, je m'en rends pas compte, mais je pense que les jeux d'énigmes, ça devient vraiment un type de jeu que je trouve incroyable. Je trouve que les jeux d'énigmes qui sortent sont de plus en plus intelligents, quoi. Franchement, je le dis, hein, mais je trouve que les jeux indés sont 1000 fois plus intéressants que les AAA. Hein. Ils osent des choses, en fait. Ils ont des idées, ils osent des trucs. L'indé, c'est 1000 fois mieux, quoi. Attention, hein, il y a des jeux AAA que j'aime énormément. Je veux dire, je suis un fan de Zelda. Je kiffais God of War, The Last of Us. Enfin, je sais pas, voilà quoi. Je peux en citer plein des AAA. Mais franchement, les gens indés, ils me font des trucs. Je peux pas expliquer quoi. J'aime être surpris en fait. Et les gens indés font très bien ça. Ah. Non, 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 non. Vous me faites pas ce coup-là. Oh là là. Oh putain. Oh putain, mais pourquoi vous êtes trop intelligents, les devs, là? Ça devient chiant, hein. Franchement, arrêtez de vous appêter, là, parce que c'est vraiment trop... Bon. Concrètement. Non, si, faut que ça... Faut que je le mette à gauche. En gros. Il faut... Il faut... Que j'amène ça dans le... Cocon blanc. À gauche, là, vous voyez ? Sauf que je peux passer qu'avec le pont. C'est pour ça qu'il faut y aller qu'à l'intérieur du cocon rouge. Je vais mettre le cocon vert à gauche du cocon rouge. Et comme ça, du coup, la boule blanche va revenir à l'intérieur. Par contre, je comprends pas l'intérêt de... Du truc pour tirer à droite, là. Peut-être après. Je sais pas où, alors c'est pour nous bait. Normalement. Là, ça va refléter, ça part dans le cocon rouge, ça va taper le vert là dans
quelques instants. Non, ça le tape pas. Ah, alors attendez, je dois retourner dedans là. Il y a quelque chose que j'ai mal dû comprendre. Ça part pas à gauche là si je tire? C'est que je peux pas tester quoi. Attendez. Ah, pour moi j'étais bon dans mon idée. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que ça le renvoie. Du coup ça rentre dans le cocon gris. Gris blanc là. Ça allait à gauche, ça rentrait dans le cocon rouge. Une fois dans le cocon rouge, ça fonçait dans le cocon vert. Ah, mais parce que j'ai pas changé. Je sais pourquoi. J'ai pas changé à l'intérieur du cocon vert la disposition en fait. Oui, il y a des emplacements. Oh, j'avais pas vu. Ah oui, en fait, ils ont dû mettre ça pour qu'on puisse tester, peut-être. On voit si ça tire bien là où il faut. Mais voilà, pourquoi ça marchait pas, c'est juste ça, c'est tout bête. J'ai pas pensé à faire ça. Du coup, on va y remettre dans le rouge. Du coup, tu me sors ça. Voilà, là, ça change les trucs autour, on le voit. Ok, ça marche. Et la musique du coup qui montre qu'on progresse. Ok, ça a mis du temps, j'ai eu peur. Ah mais merde. J'attends la prochaine séquence. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux tirer là pour que ça rebondisse et que ça fasse des trucs. Ok, donc je pense que... Ah, je pense qu'il va falloir que je fasse sauter la boule. Pendant que ça fait le truc. Mais par contre, je vais pas du tout être assez rapide, là, en fait. Mais je pense, oui, ça va falloir faire ça. Et comme ça, ça va taper dedans. Ah, j'avais pas vu, il y a un miroir à gauche. Le timing. Son vislard avec le miroir à gauche là, tu le vois pas forcément. Tu peux te dire c'est de la déco quoi. Ça marche non? Oui. C'est le fait que ça mette du temps, ça me fait paniquer un peu.
Attendez, mais c'est quoi l'intérêt de ce que je viens de faire en fait? Non, je crois qu'il fallait que ça tire deux fois parce que je vois qu'il y a un autre truc vert derrière. Ah, il fallait que je tire deux projectiles? Attendez, déjà, faut on le réactive une fois parce que j'ai pas le chemin le plus rapide sinon. Moi, j'ai cru que ça allait pas avoir la deuxième. Ah, mais ça a fait instant! Ah, bah oui, du coup, oui, ça le fait instant. Ah merde! Ah non, faut que je le récupère! Il faut que je le reprenne en fait. Je suis con. Autant que ça se fasse, j'ai clairement le temps de le reprendre, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Non, mais en fait, je voulais réactiver pour pouvoir grimper là. Et surtout que c'est la fin. Enfin, c'est la fin de la section là en haut. Alors. Bah, il me faut juste le cocon vert en fait. J'ai rien de compliqué à faire, je crois. Non, si, attendez, ça va être compliqué à faire, je crois. Ah, j'ai pas la place. J'ai pas la place pour poser mes trucs. Attendez, comment je fais? Je suis baisé là. Il me faut le cocon vert. Sauf que j'ai pas de place pour poser mes trucs. Pour pouvoir aller rechercher le cocon vert. J'arrive plus à parler. Et là, dans le coin, je peux rien faire. Il doit y avoir un emplacement juste que je vois pas, c'est ça mon souci. Non? Je suis con. Attendez, parce que j'ai l'impression que je galère sur un truc qui est pas compliqué. Il me faudrait juste un troisième truc pour poser, en fait. Et je peux même pas tirer dedans. Attendez, mais je suis buggé ou quoi? Oh, c'est un truc con et je trouve pas. Je le sais, c'est ça. C'est un truc con et je trouve pas. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Il me faut le cocon vert à l'intérieur de cocon rouge. Et pour ça, il faut que je puisse entrer dans le cocon rouge. Sauf que j'ai pas d'emplacement pour pouvoir poser mon cocon bleu ailleurs et ensuite rentrer dans le rouge. Depuis quand on peut faire ça?
Mais je savais pas. Mais ça m'aurait sauvé tellement de temps. Mais fallait faire un truc comme ça dès le début. Que j'apprenne qu'on puisse faire ça. Je savais pas qu'on pouvait. Moi, depuis le début, je me fais chier à poser sur un emplacement libre à chaque fois. Je savais pas qu'on pouvait inverser. Bah merci, le jeu. Purée, j'aurais pu rester bloqué là-dessus longtemps si j'avais pas appuyé comme un bêta. Ok, on y arrive. Bon, on apprend des trucs, ça me fera gagner du temps pour plus tard. Oui, parce qu'il y a plein de fois où j'aurais pu le faire pour gagner quelques secondes, au lieu d'aller poser loin à chaque fois. Bon, ça va être trois troisième... Oula. Oui, quand on articule, c'est mieux. Ça va être la troisième phase. Donc le boss, là. On va récupérer le cocon violet. Donc là, ça va être un bordel encore plus magistral. Ah! Les enfoirés. J'aime pas cette musique, ça me stresse en plus. Ah, ça passe pas. Ok. Ah, j'ai foiré au dernier coup, quoi, je suis nul. Alors que dans Sea of Stars, je m'en sortais tellement bien. Si vous avez pas la ref, n'hésitez pas à aller voir mon respect sur Sea of Stars. Non, mais vous savez, avec la compétence du Lunrang, là, où ça renvoie à chaque fois qu'il faut appuyer dans le moment. C'est à ça que je fais référence. Mais merde, pourquoi je foire sur le dernier? M'énerve. Je dis des conneries, du coup, j'y arrive pas. J'appuie trop tôt à la fin. Ah, c'est énervant. N'hésitez pas à skip toute cette phase, hein. En vrai, je vous en voudrais pas. Je ferai la même. C'était pas à skipper la vidéo aussi, je ferai la même. Non, attendez, je retiens ce que je viens de dire. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il est mort? Il y aura encore une phase derrière. Je pense qu'il va y avoir un dernier coup. De toute façon, ça va être le boss final, donc ouais, je pense qu'il va y avoir une dernière phase. Ah, quoique, il a l'air d'être cassé là un peu. Eh non, il est mouru. J'ai un succès qui s'appelle Aube. Désormais et pour l'éternité. Fini le jeu là quand même, si. Maintenant que j'ai 4 cocons, il va bien se passer. Je vais bien avoir d'autres énigmes. Oui, on est loin d'avoir fini. Oh, il y a les 4 boss. Ok, fais voir le pourcentage. On a 92%. Je pense que c'est une bonne idée de s'arrêter là. D'accord. Parce qu'on entame une dernière section. Ah, attendez, il y a un truc à libérer là. Ah, est-ce que c'est tout ce que j'ai libéré?
Ah oui. Et là, ça va être celui d'en haut à droite, c'est-à-dire le cocon vert, et on va voir qu'il m'en manque un. Il m'en manque un dans le cocon vert, bordel de merde. Oh, je suis sûr, ça débloque un truc. S'il y a ça à la fin, c'est que ça doit débloquer quelque chose. Il m'en manque un. Il me manque un seul collectable. Non, s'il vous plaît. Bon, on verra ça dans le prochain épisode, ok? Oh non, il me manque un seul. Je vais être dégoûté. Ok, bon. On verra ça dans le prochain épisode. Déjà, on voit qu'il va falloir récupérer un drone. Ah, non, mais s'il vous plaît, dites-moi que on va pouvoir le récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais même pas, en fait, il m'en manque deux dans le cocon vert. Je suis en train de capter, il y a deux emplacements. Ah oui, non, il m'en manque deux. Attendez, je re-regarde les autres parce que si ça se trouve, j'ai mal vu. Non, là, j'ai deux sur deux. Là, j'ai deux sur deux aussi. Là, j'ai trois sur trois. Oui, en fait, il m'en manque deux dans le vert. Donc vraiment, c'est dans le monde vert que j'ai tout raté. Génial. J'adore. Bref, on sait ça pour cet épisode. Le prochain épisode, épisode final. Très certainement. On va faire 100%. Hein. Clairement, je vais pas laisser passer le jeu sur ça. On va faire 100%. Je sais pas si ça débloque un truc. Mais en tout cas, on va le faire ensemble, je pense, le 100%. C'est juste aller chercher deux petits trucs. On ira aller chercher ensemble. Bref, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la fin de ce let's play. Allez, salut tout le monde. Bye bye.